remix sur Énergie, c'est le 6-9, c'est le gaz du vendredi avec l'ami Chris qui est avec nous ce matin. Merci d'être là, Chris. Alors justement, c'est le nouveau son Bougamoin remix. Enfin, le nouveau son. Il y a aussi un titre qui s'appelle Watcha, dont le clip est sorti il y a quelques semaines. Watcha. On aura l'occasion de l'écouter d'ailleurs avant la fin de l'interview. Alors, on a également été faire un. On a fait ce qu'on appelle un canular, c'est ça. Un canular. On a appelé les opticiens, Chris. Ouais. Ah ouais, bravo les gars. À Bastère ce matin. Et là maintenant, c'est au moule. On écoute ça et puis on en parle juste après. Karina, votre écoute. K R Y S. Les mêmes avec là. C'est ça, c'est bien K-R-Y-S. Et vous allumez le micro ? Non. Vous pouvez parler à Chris, s'il vous plaît ? Il n'est pas là, Chris. Comment ça s'écrit, Karine ? C-A-R-I-N-E. Limez ma mic, là ! Allô ? Oui, je vous écoute. Hein. Allez-y, continuez. Limez téléphone, là ! Ah, ben non, j'ai le téléphone. Mais il faut l'allumer, s'il vous plaît. Limez téléphone, là ! Bonsoir. C'est bien les opticiens, Chris ? Tout à fait. Limez ma mic, là ! À vos souhaits ? Oui, j'ai pas éternué. J'ai eu l'impression, désolé. C'est le syndrome du Chris. Ah, je connaissais pas. Limez ma mic, là ! Faudra faire soigner ça. Hein. D'accord, et votre prénom, c'est ? Julien. J-U-L-I-E-N. Limez ma mic, là ! Blip ! Ah bah, j'espère que ça va aller, parce que ça a l'air un peu grave, hein, vous savez. Je veux parler à la cliente, s'il vous plaît. Comment elle s'appelle ? Son prénom ? Sandrine. Sandrine, il y a du boulot. Alors attendez, je vais essayer. S-A-N-D-R-I-N-E. Limez ma mic, là ! Blip ! K-R-Y-S. Ok, oui. S-A-N... mon prénom, il est trop gros, hein. S-A-N-D-R-I-N-E. Dis-moi, mec, là. Ça a long goût. K-R-Y-S. Dis-moi, mec, là. Je vois qu'on s'amuse bien chez les opticiens Chris, visiblement. On salue d'ailleurs toute la bande. Hein. Donc, Fabien, ouais. Sandrine, la cliente, et Karine. Alors, on n'a pas l'opticien, mais on a en revanche le chanteur qui est avec nous, Chris. Tiens, je vais revenir. Yes, ben big up, parce qu'ils ont quand même joué le jeu, quoi. Vachement bien. T'as aussi Sylvie à Bastère. Big up, Sylvie Bastère. Je passerai vous voir bientôt. Elle est contente, la Sylvie. Elle voulait vraiment le big up de Chris, donc voilà, c'est fait. Je vais revenir sur Step Out, ton label qui était vachement actif il y a un peu plus d'un an, hein. Un peu moins aujourd'hui. Des news ? Bah, on est toujours actif, mais avec moins d'artistes, je dirais. Parce que, effectivement, quand on a débuté, enfin. On était très 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 ambitieux avec beaucoup 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 de projets et je pense que avec l'expérience, je me suis rendu compte qu'il fallait peut-être avoir un peu moins de projets et les travailler plus en profondeur. Donc c'est ce qu'on a fait notamment avec Missy Sadik l'année dernière et là cette année je me concentre sur Colonel Rayel qui sort à la fin de l'année un album et sur mon projet aussi qui va sortir en 2020. Bon, il y a eu quelques embrouilles également avec quelques artistes du label. Ça va s'y régler ? Bah, ce sont les relations humaines. C'est comme ça. Ça arrive un peu partout, malheureusement. Mais je pense que oui. Depuis l'eau a coulé sous les ponts, on se croise régulièrement hein, parce que c'est petit, hein, la Guadeloupe, la Martinique. Donc on se croise et de façon générale, il n'y a pas de problème. C'est réglé. Donc la prochaine signature, enfin le prochain projet Step Out, c'est donc Colonel Rayel qui revient. Exactement. Bah tu sais, Colonel, il a son public, il suit, c'est quand même 1 700 000 fans sur Facebook. Et donc même s'il est pas autant diffusé en radio que lorsqu'il a eu son gros succès avec celui Aurélie et tout ça, bah aujourd'hui il a encore un public qui le suit et il est sur scène tous les week-ends. Donc je lui envoie un big up d'ailleurs. Il sera bientôt en Guadeloupe, Colonel. Très bien. On va peut-être le recevoir également dans le guest du vendredi. On va tout à l'heure jouer avec toi, Chris. Au jeu des 4 mots, on va lui expliquer en gros ce que c'est. C'est tout à l'heure avec également les auditeurs si vous voulez jouer et participer 0825 825 696 et puis tout à l'heure 8h30 c'est l'info. Chris est avec nous jusqu'à 9h. Il est 8h38, c'est le 6-9 sur Énergie. Chris est notre invité ce vendredi. Le 6-9 sur Énergie. Le jeu des 4 mots. Le jeu des 4 mots avec Chris. Bah tiens, c'est la première fois qu'on va faire le jeu des 4 mots avec un artiste. Ouais. Ah, explique-lui un peu en deux mots le jeu. C'est Narka qui fait ça bien, les explications. Ouais, c'est vrai que Narka qui fait bien. Donc en fait, à l'auditeur, on va le prendre. Narka, il est en train de draguer des meufs sur WhatsApp. Après moi. Franchement, je veux pas balancer, mais à un moment donné, soyons sérieux. Est-ce qu'on a le temps d'expliquer ou pas? Oui, vas-y, Chris, viens à côté de moi, Chris. Écoute, non, mais déjà à côté de toi, c'est bon. J'ai pas besoin. Qu'est-ce que tu vas marquer là? Chérie, doudou, beau tété.
On prépare un truc avec Laura. Oui, bien sûr, ouais, c'est ça. Ouais. Je travaille. Donc, le jeu des 4 mots, merci beaucoup. Oui, voilà. On propose 4 mots aux auditeurs. Ouais. Ils doivent nous répondre 4 mots en lien avec ces mots. Tout ça, très bien. On doit les retrouver, ces mots. Enfin, pas toi, pour le coup, c'est, ouais. C'est Chris okay. qui va sortir du studio. Il y a des indices ou. Non, aucun indice. Aucun indice. Sec. Il y a okay. Max avec nous, c'est ça ? Ouais, il y a Max avec nous. Bonjour, Max. Bonjour. Comment ça va ? Salut. Ça va super et vous? Ouais, nickel, il y a Chris avec nous. J'allais dire le Chris, okay. Non, Chris. Chris avec nous, c'est salut lui. Salut Max. Salut. C'est lui qui va jouer avec toi et qui te permettre de gagner des cadeaux. Donc on va demander à Chris de sortir du studio. Ok les gars, je m'en vais. Bon Max, big up. Fais ça bien. Tu te rends compte, on a un invité le vendredi, puis on lui dit de quitter le studio. C'est violent Max, tu connais le principe, yeah. On l'a expliqué il y a quelques secondes, donc on va te proposer 4 mots. Attention, c'est parti. Single. Album. Opticien, lunettes. Embouteillage. Voiture. Chris. Artiste. Okay. Bon, ça a l'air pas mal. C'est pas mal tout ça. Ça a l'air pas mal. On rappelle Chris. On va allumer. Il faut le motiver. Il faut motiver ton poulain, tu vois. Tu dois chauffer ses épaules, taper dans son dos. Donne-lui de quoi. Tu vas mettre des paillettes. Donne-lui envie de te faire gagner. Fais quelque chose. Max. Max, dis-nous tout. Motive-le. Alors, j'espère que t'es chaud parce que moi j'ai envie de gagner bientôt. J'espère que t'es chaud parce que j'ai envie de gagner. Non, c'est quel genre de motivation? Bon, il a le motif comme il peut. On y va, donc vas-y. Faut trouver les 4 ou faut trouver juste un? Un seul, si au moins un. Ok. Alors. C'est embouteillage. Non, c'est Nandi qui va poser les questions. T'es gentil. Ah ouais, parce Max, t'es gentil. Sinon, tu dis les réponses directes. On est parti. Si on te dit single. Musique. C'était album. Ouais, c'est pas loin. Opticien. Lunettes. Bien. C'est gagné. Il a fallu attendre le deuxième mot, mais c'est gagné. On va quand même enchaîner Embouteillage. Embouteillage. Voiture. Ben oui, ça aurait fait 2. C'est une bonne réponse. Et Chris. Micro. Non. Artiste. Eh ben c'est bon, c'est gagné. C'est gagné, c'est bien, Max. Bien joué, en plus des cadeaux, évidemment, tu restes avec nous. Chris est également avec nous jusqu'à 9h. Chris, on va écouter un nouveau son extrait de l'album. Enfin, pas de l'album. Un nouveau son qui est sorti il y a quelques semaines. Qui est dispo partout. C'est quoi l'histoire, c'est Wacha? Wacha, ben écoute, c'est. Le compositeur de ce titre, il s'appelle Marcus. C'est un frère qui est très très actif niveau dancehall. Tous ceux qui sont sur les réseaux, ils savent que Marcus, il fait des séries. C'est un jeune compositeur qui est passionné de dancehall, qui travaille avec des grands du rap, mais qui est guadeloupéen et qui propose chaque fois des instrus dancehall. Donc déjà, c'est une instru de Marcus. Ouais. Donc big up à lui. Et dans ce clip, il y a la Dancehall Queen France qui s'appelle Dancehall Queen Flo. C'est elle qui a gagné pour l'année 2019. Un des prix qu'elle avait gagné, c'était d'apparaître dans mon prochain clip. Et ce fameux clip, c'est Wacha. Donc voilà, je vous invite à aller voir ça sur YouTube, à aller sur les plateformes. Wacha. On va mater ça. Et puis tout à l'heure, on va jouer au mashup. Show avec Chris sur Energy. À tout de suite. C'est quoi cette mitraillette? C'est truqué en fait. Attention. Non, mais c'est moi. Il a un truc dans la gorge, c'est truqué. Ouais, il y a un truc. Ouais. Exactement. Ah, on va faire le ça ou ça avec Nandi. Eh ben, on est chaud. Alors, Bokit ou Agoulou, Chris? Des questions ping-pong. Bokit. Au poulet. Mayonnaise, piment. Pas de ketchup? Non. Casquette ou lunettes? Lunettes. Dancehall ou zouk? Dancehall. Dans chanteur ou producteur? Chanteur. Ok. Marie Galante ou les Saintes? Ah, on bise mettre moi un problème. C'est ça. Ah, j'adore les deux. Mais je dirais Marie Galante. T'as raison. Bambi ou Shensia? Bambi. Okay. Pas mal. C'est pas mal. Vous avez noté? Oui, on a noté. Bokit, poulet,
Maillot piment. Ah non, mais je vois les vendeurs de Bokit me connaissent super bien. Ils savent déjà, donc c'est mayonnaise piment pour Chris. Alors, dans les années 2000, c'était la folie. Hein. Est-ce que tu as forcément des anecdotes concernant tes fans? C'est les années 2000 où il y avait les sons où Chris était. C'était vraiment le comment dire. Oui, mais je suis toujours The Chris, attention. Oui, non, mais je veux dire, à un moment donné... Oui, au moment où je me suis fait connaître et on sortait plein de sons à la chaîne, ça tournait de ouf. Il y a quelques anecdotes comme ça, forcément avec les fans. Ouais, je sais, il y en a beaucoup, il y en a tellement que pour en sortir une du lot, quel genre d'anecdotes tu veux? Je sais pas, est-ce que tu t'es fait harceler par des fans, par exemple? T'as pas écrit, c'est quand même fiché. Elle avait pas de réflexion. Pas dur, ouais, non, mais bon. Ouais, c'est pas c'est. Oui, Narka. Ou est-ce que le son saucisson là, t'as ramené des fans en plus? Absolument. C'est vrai? Ouais. Après, tu sais, c'est inspiré d'une histoire vraie, saucisson là. Ah ouais? D'accord. Ouais. Oh, on le savait, je crois qu'il nous l'avait déjà dit. Bien, on se regarde et... Ouais. D'accord. Chris. C'est pas où j'entends un midi. Quel est le prochain projet, d'ailleurs? Ton prochain projet à court terme? Ben, à court terme, là, j'ai des morceaux, j'ai de la musique à partager. Et vendredi prochain, donc le 4 octobre, je l'annonce en exclusivité sur Énergie. J'ai un prochain son qui sort, j'ai un nouveau titre qui s'appelle Tout ça au café, qui va sortir donc ce vendredi 4 octobre. Clip et tout, hein, la totale. Clip et tout, la totale, donc restez connectés. Ceux qui me suivent sur Insta, ils savent que j'étais pas très actif ces temps-ci. J'ai sorti Watcha et puis après, j'ai un petit peu pris le temps de passer du temps en famille, mais aussi ces derniers temps, préparer le nouveau single aussi, sa sortie. Donc on prépare des choses, de belles choses. De belles choses pour la fin de l'année. Très bien, Chris. Le mash-up du 6-9 Énergie. Attention. Ouais. Ça, c'est le rendez-vous avec les artistes. T'as sorti le vrai Redim, là. Axia Redim, ouais. Aïe. Tu te souviens du Axia Redim? Et comment? Refrain, ça disait quoi? Laissez-nous rentrer un mouvement là. Nous chavoyons pas qu'être un sexy gal devant là. Nous tenions pas qu'être un pagnard. Dis dans la joie de la c'est samedi soir. Nous bisez papier là. Yeah. Laissez-nous rentrer un mouvement là. Nous chavoyons pas qu'être un sexy gal devant là. Le deuxième couplet, les gens aimaient bien, ça faisait comme ça. Nous fais pas grimper pour autre que mais nous pas pour pas un pied nous pour pas gageons nous saper nous enfin quoi ça pour pied nous pavine pour goûter nous pavine pour va bien nous pavine pour yopé ça fait nous autre à l'entrée nous même nous pas pavine pour ça parce que nous pas pour papier là nous même nous pour pas so pas chercher nous bab nous tini l'esprit positif au soit là soit den laissez nous rentrer dans mouvement là nous j'avoyons pas qu'être un sexy gal devant là nous tini y'a pas qu'être un pagnan dit dans la joie de la c'est samedi soir nous visez papier là. Le mashup. Hey, ça commence fort, hein. Je veux dire, ça commence très très fort. Attention, Nandi. Je vais calmer tout ça. Are you ready? C'est le mashup sur Énergie. Hey. Aujourd'hui, je te dis, toi et moi, c'est fini. Tu m'as pris mon sourire, mais pas mon avenir. Dis-moi ce que je n'avais pas. Tu as tout tué, ma reine, je te le... Yeah. Tu veux que je comprenne quoi? Yeah. Ça, c'est Narka. Ah ouais. Black man est metti nègre side. C'est lui qui m'a nappé, c'est lui qui mette side. Oh, c'est qui m'a mis ça et presse ça. Pour si mi c'est pas fin de respecter. Non. Black man est metti nègre side. C'est qui m'a dans maille, c'est qui mette side. Oh, c'est qui m'a mis ça et presse ça. Oh, yeah. Ou trop commercial. Trop commercial. Ou trop commercial. C'est faute à l'universal. Commercial, un trop commercial, un trop commercial. Oh, ok, Yoka dit Chris commercial, parce que t'as fait son cigale. Yoka dit Chris commercial, parce que t'as passé si énergie. Chaud. Et on finit le mashup avec Monsieur Chris. Tu chantes ce que tu veux, tu. Dire. Oh, mes envies, attends, vous m'avez ramené à une époque là. Pull up the track. T'es allé chercher. Loin, j'avais dit, je vais chercher. Oh là 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 là. Ok la famille, alors KRYS sur Énergie, un gros big up à JC, à Narka et à Nandi. Chaud même.
fire, no fire, you got tired, you got police, you got tired. You can't do your bad man, you got Babylon, you got tired, 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 Vous êtes dans le système sur Energy, c'est le gaz du vendredi. Notre invité ce matin, c'était Chris. Franchement, ravi que tu sois là ce matin. On aura l'occasion de se revoir évidemment, parce que je sais qu'il y a pas mal de projets. Et ratez pas donc la sortie du clip et du son et vendredi. Apparemment, c'est le son que tout le monde attend. Ouais, parce qu'on a fait écouter un peu aux professionnels et tout, et il y a une grosse attente sur le son. Donc je suis content, j'espère que le public aussi va kiffer. En tout cas moi j'aime ce son, je suis content de le présenter au public. Je suis super content de revenir, de pouvoir proposer de la musique comme ça régulièrement. Et j'invite tout le monde à rester connecté. Et je profite du micro pour remercier, pour vous remercier de cette invitation. Je suis content d'être là, c'est cool. Et à bientôt tout le monde. Big ça up, marche, merci beaucoup Chris. Vendredi prochain c'est Mata, tu connais ou pas? Ouais bien sûr, c'est un des jeunes qui monte, voilà. C'est cool. Il sera avec nous donc vendredi, gaz du vendredi entre 8h et 9h. On se retrouve la semaine prochaine, nous on souhaite un bon week-end à tout le monde. Bon week-end, des bisous. Rendez-vous lundi avec le 6-9. Salut, à lundi, ciao.